Vinicius continue à être un joueur qui est pathétique dans la production pour la sélection brésilienne. Vinicius, j'en ai tout connu en termes de statistiques, c'est tant de matchs avancés, la quantité, c'est tant de moins qualité dans la production. C'est Vinicius avec Brésil. Plus monsieur a joué match avec Brésil, c'est plus qualité football que normalement nous croyons que le tabac et le gars des potentiels a diminué. C'est que Vinicius dans Brésil n'est pas jamais capable d'enchaîner bon match. Il a joué un bon match là, jeudi là, et puis demain, il passe à côté. Par exemple, match contre Venezuela, il était raté penalty, mais il était un bon match. Il était vitesse d'exécution, dribbler adversaire, lio, poté danger. Maintenant, si nous prenons match ça contre sélection Uruguay, non, monsieur passe à côté. Monsieur passe à côté. N'a pas les, quand même, d'un joueur qui, c'est 42 ballons touchés, mais 13 ballons perdus. C'est seulement deux dribbles que Vinicius lui-même lui réussit. Joueur Vinicius, c'est qui ça dit? Joueur Vinicius, là, il fait de vitesse d'exécution, dribble, cap désarticulé, bloc équipe adverse, là, il fait d'inventivité, il fait de créativité. C'est Vinicius. Maintenant, sous prend joueur lui-même dans Matsa, contre sélection Uruguay, non, c'est zéro tir cadré. Ça veut dire joueur là pas dangereux. Il n'est pas inquiété sélection Uruguay. Il n'est pas inquiété dans prise de décision li dans match là. Il n'est pas inquiété dans occasion. Ça veut dire c'est un joueur qui était néant pratiquement. C'est un joueur qui était néant, ça veut dire pas de tir cadré, son seul tir bloqué et c'est deux dribbles sur 5 il réussit. C'est 50% duel lié que le gagné. Zéro passe clé. C'est là. À aucun moment de la durée, Vinicius pas dangereux dans le match. À aucun moment de la durée. Dans le match. Il n'a parlé quand même de un joueur qui joue 90 minutes. Zéro passe clé. Zéro tir cadré. Deux dribbles sous 5 réussis. Vinicius n'a jamais enchaîné bon match avec Brésil. Et statistique Vinicius dans la sélection brésilienne en dedans il n'a pas ça c'est crevé que Brésil en dedans il n'a pas ça joué 12 matchs gagné match Vinicius pas joué à cause blessure. Par exemple dans le mois d'octobre Vinicius pas joué pour la sélection brésilienne, il pas joué pour la sélection brésilienne dans le mois d'octobre là à cause pépin physique. Brésil te bat deux matchs. Et dernière fois, tu as une trace. Deux matchs une collé à l'autre pour Brésil en éliminatoire de Coupe du Monde 2026. C'est dans le début éliminatoire là côté Brésil te bat Pérou 1-0. Marquinhos n'a fait un match. Et Brésil te bat Bolivie. Après ça, Brésil n'a jamais enchaîné deux victoires une collé à l'autre jusqu'à ce que dans le mois d'octobre, là, Brésil enchaîné deux victoires. Certes, c'est contre deux équipes qui sont plus faibles, mais c'est deux victoires, une goulée avec l'autre que Brésil lui-même lui fait, qui bat le point. Vinicius dans Brésil, en éliminatoire ça, c'est un seul match que Vinicius souterrain, Brésil bat en éliminatoire là. C'était contre sélection équatorienne, 1-0 du côté fait goal, et dans Massa, Vinicius pas de bon. En termes de production, ou pas, dans une logique, ou a dit, ça c'est Vinicius. La preuve en est bien grande. Production Brésil était tellement pas bon. Brésil, la Kaili, public brésilien, a sifflé sélection brésilienne dans son terrain pendant que Brésil a mené 1-0. Public dit lui-même, c'est pas seulement victoire là qui est important pour lui, c'est victoire là avec un bon match. Et en termes de production, pas gagné production côté que équipe équatorienne a bousculé Brésil.
C'est seul Renat ça que Vinicius lui-même li souterré Brésil gagné. Après ça en dans Renat là le retire Renat ça depuis Vinicius souterré c'est soit Brésil perdu ou bien Brésil fait match nul. Et c'est pas ça seulement Vinicius te doit perdu avec Brésil mais nous ouais qualité production. Nous toujours parler de Vinicius, nous toujours attendre des clics là. Mais au final, pas jamais gagné des clics pour Vinicius après plus de 30 matchs dans la sélection brésilienne. Non, monsieur pas jamais enchaîné de bons matchs dans le Brésil. Et à chaque fois le paraît pour un bon match, ou attendre li fou école dans trois et match ça en termes de production, c'est des catastrophes. Oui, on est capable de parler de Brésil pas inspiré. Mais moi dit que on est pour Gerson sorti tête li du lot dans match ça. Là on classe capable gagner élève qui moyen. Mais a gagner on élève certainement qui sorti tête li du lot. C'est pas pour sans raison dans un match football toujours gagner note pour tout joueur. Même l'équipe l'a perdu a toujours gagné un joueur ou bien plusieurs joueurs qui sorti tête li du lot en dans défaite là. Brésil coulé. Vinicius coulé. Brésil pas inspiré, Vinicius pas inspiré. Et lui-même, de manière personnelle, il passe à côté. Il passe à côté de manière personnelle. On a parlé de 11 joueurs dans le match contre sélection Uruguay. 42 ballons, touché, 13 perdus, 2 dribbles réussis sous 5, 0 passe dangereuse, 0 passe clé, pas de tir cadré. C'est de ça qu'on a parlé en termes de production. C'est un joueur pas bon dans le match ça contre sélection UN. Et je dis là, c'est Vinicius qui suivait ça, Brésil. Moi, pas jamais dans l'histoire sélection brésilienne pour un joueur qui a une étiquette superstar dans la sélection après tout le match ça pour le pas jamais régulier pour ne pas enchaîner deux bons matchs avec Brésil. C'est pour la première fois que nous vivons bagage dans l'histoire. Qui ou prend Leonidas, ou prend Nelinho, ou prend Zico, Falca, Ronaldo, Neymar, etc. À l'Aïssa, vous avez gagné de très grandes productions à répétition dans la sélection brésilienne. Certes, ça mal commencé pas forcément dit c'est ça qui a fini mal. Mais comme là, ça qui a fait aujourd'hui là en termes de production, on a regardé 11 joueurs en dans le match Coupe du monde ça. Leur souterrain avec Brésil, Brésil bat seulement un match. Et le Brésil te bat un match là, il pas brillant. Après ça, le souterrain, c'est soit Brésil perdu avec les souterrains, ou bien Brésil fait match nul. Et en dans mauvais résultat, ça, yo, pendant là avec Brésil, lui-même lui passe à côté. Il n'est pas jamais capable de retirer Brésil dans une situation compliquée. Le souterrain, pendant Brésil, dans difficulté, en dans il m'a tout ça. Avec Vinicius souterrain, c'est une grande victoire Brésil fait. Je ne suis pas jamais capable d'enchaîner. Et si nous voyons octobre, Brésil fait deux victoires sans Vinicius. En novembre, Brésil fait deux matchs nuls avec Vinicius. Et en nous est rapidement classement, Brésil raté opportunité pour le normalement boucler année en deuxième position dans l'éliminatoire. Ça fait ça. En dans 12e journée, ça, Bolivie fait 2-2 contre Paraguay. Équateur al bat Colombie 1-0. Chili bat Venezuela 4-2. En victoire de sélection brésilienne, en dans l'éliminatoire ça, Brésil, qui était 17 points avant match ça, tape gagné 20 points. Tape gagné 20 points. Qui dit 20 points? L'étape passé devant Colombie, qui était 19 points avant 12e journée, perdu 1-0 contre équipe football ça n'a pas parlé de équipe Équateur là et
concurrent direct li qui c'est sélection Uruguay dans le tap battre le tap quitter le des Brésil rate opportunité pour te boucler année en deuxième position et ça belle en dedans El Matro là si nous prend top 6 pi bon équipe en dedans El Matro ça Brésil bat seulement yon équipe dans top 6 là c'est Équateur que Brésil te bat 1-0 qui c'est seul match Vinicius sous terrain Brésil bat après ça Argentine Brésil pas bat ni Uruguay Brésil pas bat Uruguay Colombie Brésil pas bat Colombie Paraguay Brésil pas bat équipe football ça c'est de ça n'a parlé de sélection brésilienne qui pas arrivé en Chili bon résultat dans mois de novembre là alors que tu gagnes possibilité pour Brésil de boucler année 2024 là en deuxième position Argentine lui-même lui commencer à distancer Argentine gagne 5 points en plus équipe qui est en deuxième position pendant l'éliminatoire Coupe du monde 2026 tap tap c'est compagnie ça qui permet de vous l'argent bah faire moi exemple en Haïti sans pas besoin aller nommer son frère télécharge application sur Google Play Store bien absolu éligible faire moi besoin en Haïti juste besoin de mon cash et l'enregistre téléphone. C'est 4 dégouts besoin et l'on utilise pour mon code qui m'a été KIMHITI. On gagne $15 sur première transaction.